On va partir aller visiter un château. Mais Nathalie, on n'a pas de voiture. J'espère que le château c'est pas trop loin. Non, ça va, c'est à 1 km d'ici. C'est trop loin qu'on doit marcher. Bonjour messieurs, dames. Alors, c'est parti pour la visite du château du dragon. Excusez-moi, est-ce que je peux vous laisser la glacière à l'entrée? Parce que c'est un peu lourd. Oui, laissez-la à l'entrée. Voilà, c'est la fin de notre visite. Je vous laisse retourner à l'accueil pour chercher vos affaires. Mais où est le pique-nique? Oh, on a volé notre pique-nique! Nous allons mourir de faim jusqu'à la fin de nos jours. Oh. Hey, mais regardez, il y a un supermarché là-bas. Ah, quoi, comment ça? Oh, un supermarché! Vite, venez tous, on va aller au supermarché. Oui, c'est parti, on va pouvoir manger, enfin. Oh oui, j'en peux plus, là, j'ai trop faim. Ah bah oui, mais toi, de toute façon, tu peux pas sauter un repas. Bon, allons-y. Allez, on va prendre le chariot. C'est parti, on va faire les courses. Allez, c'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour madame, vous venez faire vos courses? Exactement. En fait, on nous a volé notre pique-nique, du coup on vient faire nos courses en urgence aussi parce que comment vous dire qu'on a très très faim. Ah mince, ah oui d'accord. Eh bien, vous pourrez trouver des bananes, du pain, des cornichons et des légumes. D'accord, et ben on va aller voir ça. Bon, moi j'attends ici. Alors, bon, on va prendre des carottes et des bananes. Hop, voilà des carottes. Hop, et voilà des bananes. Ah mince, par contre c'est bête, y a pas d'eau. Ah, bah, on boira au robinet. Bon, bah c'est pas grave, on va prendre du pain. Hop, voilà le pain. Et on va prendre les brocolis et les carottes. Hop, voilà, parfait. Bon, et bah voilà, c'est tout. Oui, on va pouvoir manger. Bon, voilà monsieur, on a fait nos courses. D'accord. Alors, du pain, 2 euros. Les bananes, 2 euros aussi. Les carottes, 3 euros. Et les brocolis, les carottes, 2 euros 50. Ce qui fait donc 9 euros 50, madame, s'il vous plaît. D'accord. Hop, tenez. Hop, merci beaucoup. Ah mince, mais comment on va ramener ça à la maison? On n'a pas de voiture. Monsieur, est-ce qu'on peut emmener notre chariot chez nous? Et revenir avec le chariot après, s'il vous plaît. Ah mince, d'accord. Oui, bon, je vous fais confiance, hein, mais faites attention quand même. Oui. De toute façon, dès qu'on va rentrer, là, on va appeler pour louer une voiture parce que c'est pas possible. Merci beaucoup, monsieur, et à tout à l'heure, du coup. Oui, à tout à l'heure. Allez, on y va. Et on rentre. Bon, allez vite, on rentre. Je vais ranger les courses et après, je ramènerai le chariot au monsieur. Mais Eric, il faut absolument qu'on appelle pour louer une voiture. Oui. Oh. Allez, on est arrivé. On va pouvoir ranger les courses. Oh, je vais faire une blague à maman. Ouh ah. Allez, Roger. Oh non, les courses. Elles sont pas tombées du chariot, j'espère. Non, c'est bon, mais Roger, arrête ça tout de suite. Allez, on rentre dans la maison. Bon, allez, je vais décharger les courses et après je vais rendre le chariot, monsieur. Eh, je vais tout ranger dans le tiroir. Eric, en attendant que je rende le chariot, t'appelleras, s'il te plaît. Oui, je vais appeler. Allez, hop, voilà, tout est rangé. Bon, je vais ramener les affaires au monsieur. D'accord, à tout à l'heure. Oh, je vous jure, quelles vacances folles, hein. Bon, ben, je vais appeler pour la voiture. Centre de location de voiture, bonjour. Oui, bonjour, monsieur. J'aimerais savoir s'il vous reste une voiture à réserver, s'il vous plaît, au nom de monsieur Papouille. Alors, il reste plus beaucoup de voitures, mais il nous reste la petite voiture familiale pour 6 personnes. Super, et vous pouvez nous la porter quand? Eh bien, tout de suite. D'accord, très bien. Et le prix de location par jour, c'est combien? C'est 100 euros par jour. Oui, bon, allez. À tout à l'heure, du coup. Attendez, il me faut votre adresse. Ah oui, les enfants, c'est quoi l'adresse? L'adresse, c'est 2 rue du Pommier. Ok, du coup, 2 rue du Pommier, s'il vous plaît. D'accord, à tout à l'heure. Oui, à tout à l'heure. Centre de location de voiture, au revoir.
Rebonjour, monsieur, je vous rapporte votre chariot. Ah, rebonjour. Oui, vous pouvez le laisser juste à côté. Merci beaucoup. Puis vous aussi, merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Ah, je pense que ça doit être la voiture qui est arrivée. Oui, on va enfin pouvoir aller partout, mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? Bonjour, monsieur. Bonjour, vous êtes monsieur Papouille, locataire de la voiture? Oui, c'est moi. Vous êtes sûr que la voiture, elle est pour 6 personnes, là? Oui. On met 2 adultes devant, et les enfants, on les met dans le coffre. Ah oui, d'accord. On n'avait pas envisagé ça. Bon, c'est très bien quand même. Du coup, on vous réglera à la fin, vu qu'on veut la garder que 3 jours. D'accord, bon, je vous fais confiance. Allez, moi j'y vais. D'accord, au revoir et à bientôt. Oui, à bientôt. Mais qu'est-ce que c'est que cette voiture? C'est tout petit, en plus on va être dans le coffre. Je sais, les enfants, c'est n'importe quoi. Mais bon, on va faire avec. Coucou, Eric, du coup t'as appelé pour... Mais qu'est-ce que c'est que cette horreur? Chérie, je te présente notre voiture des vacances. Non mais Eric, tu te fous de moi là. Ah non, Nathalie. C'est la voiture pour 6 personnes familiales qui est restée. Ah, et j'espère que ça vaut pas plus 50 euros par jour, là. C'est 100 euros par jour, la location. Non, mais Rick, tu plaisantes, là, j'espère. Mais non, Nathalie, mais je savais pas que c'était ça. Du coup, on en a pour 200 ou 300 euros. Oh, c'est pas vrai. T'es fait arnaquer, encore une fois. Bon, tu parles de celle qui se fait arnaquer au téléphone avec Crédit Agricole. Oui, bon, chut. Bon, j'ai appris qu'il y avait une fête foraine pas loin ce soir, avec une disco en plus. Vous voulez y aller? Oh ouais, ça va être trop bien! Bon bah alors on y va, on va rentabiliser cette voiture qui nous coûte une blinde. Oh là là! Eh mais attends, il y a une option décapotable. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça en roulant décapotable. Ah oui, c'est beaucoup mieux! Bon bah c'est pas si horrible que ça au final. Allez, on y va! Oui, c'est parti! Allez, voilà, on est arrivé. Mais c'est génial! Bon, bah allez, on y va. Bon, vous voulez commencer par quoi, les enfants? Bah moi, je sais pas, en fait, il y a tellement de choix... je sais pas. Et Chloé, si on allait aux chaises volantes tous les deux, ça te dit? Oh oui, ça va être trop bien. Bon, ok, allez aux chaises volantes et nous on va rester avec Roger et Laura. Bon, bah je vais vous donner 10 euros. Voilà, tenez, allez, vous pouvez aller vous amuser. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour, on aimerait toutes les deux aller dans les chaises volantes, s'il vous plaît. D'accord, eh bien, ça fera 10 euros, s'il vous plaît. D'accord, bien, tenez. Merci. Allez, vous pouvez aller vous installer. D'accord, super. Allez, hop, on s'installe. Allez, c'est parti, on y va pour le tour de chaise volante. Waouh, c'était génial. Bon, ça tourne un peu par contre. Hein. Ah oui, pas qu'un peu. Hein. Bon, allez, on va aller revoir papa et maman. Oui, allez, c'est parti. Coucou, on est de retour. Ah coucou, c'était bien le tour de chaise volante? Oh oui, c'était trop bien. Mais il est où l'argent? Vous avez tout dépensé? Mais oui, c'était 10 euros les deux places. Pardon? 10 euros les deux places? Non mais c'est quoi cet arnaqueur là? Ah bah c'était le prix, hein. Ah non, mais ça va pas du tout, ça. Oh là là, mais on va se ruiner avec cette fête foraine, là. Oh là là. Bon, et si on allait faire la grande roue tous ensemble? Oui, la grande roue. Oui, ça peut être bien. Oui, bah allez, c'est parti pour la grande roue. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous êtes 6, c'est ça? Oui, exactement. Nous aimerions faire la grande roue à 6, s'il vous plaît. D'accord, très bien. Cela vous fera un total de 20 euros, s'il vous plaît. 20 euros?
Bon, d'accord. Hop, tenez. Merci beaucoup, madame. Bon, allez, viens, Roger, on va pouvoir monter dans la grande roue. Hop, super, ça s'est ouvert, on peut monter. Ouais, on est dans la grande roue, youpi! Allez, viens, Laura, on y va. Ouais, youpi! Allez, Luna, c'est à notre tour. Ça va être trop bien. Oui, c'est parti. Allez, c'est parti, mesdames et messieurs, pour le tour de la grande roue. Ouais, on est tout en haut. Allez, on monte et on redescend. Et on va aller encore plus vite, c'est la roue infernale. Hein? Mais c'était pas prévu, ça. Allez, on va encore plus vite. Encore plus vite. Et on va dans l'autre sens. Et on va encore plus vite. Et mesdames et messieurs, c'est déjà la fin. Allez, Luna, on descend. Allez, hop, zou. On va attendre tout le monde ici. Allez, Laura, on descend. Ouais, c'est trop bien. Allez, Roger, on descend. Alors, les enfants, vous avez aimé? Oui, c'était trop génial. Oui, c'était trop bien. Vous voulez faire autre chose, les enfants? Moi, j'aimerais bien faire le bateau qu'il y a là-bas. D'accord. Bon, eh bien, je vais vous accompagner, même si moi, j'irai jamais dedans. Allez, chérie, s'il te plaît. Non, mais Rick, il faut bien que quelqu'un reste avec Roger et Laura. Mais t'inquiète pas, on le laissera au monsieur, il surveillera. Bon, d'accord, Rick. Mais c'est pas sérieux, hein. Bonjour, monsieur, nous aimerions 4 places pour vos bateaux, s'il vous plaît. Et serait-il possible, pendant notre tour, de garder nos deux enfants qui sont ici, s'il vous plaît? Oh là là, c'est beaucoup ce que vous me demandez, là. Bon. Allez, on va dire oui. Du coup, ça fera 10 euros pour vous 4. 10 euros? D'accord. Tenez, monsieur. Merci beaucoup. Allez, vous pouvez y aller. Allez, c'est parti, on y va pour les bateaux à bascule. Oh non, donc quand tu m'as encore embarqué, Eric, t'as vu comment ça va vite? Wouhou! Ah, looping! Non, Eric, pas de looping, pas de looping, pas de looping, Eric. Ah si, 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 Nathalie. Ah! Oh là là, Eric, tu vas m'entendre. Allez, nous on refait un looping. Et maintenant, on tente le double looping exprès. Oui, deux looping. Allez, Nathalie, on va faire deux looping. Alors là, non, Eric. Là, je dis non. Non, Eric. On a fait 3. On a fait 3. Bon, ça suffit, Eric. Allez, il est temps de descendre. Ah, maman, elle a eu peur. Arrêtez, les enfants, c'est pas drôle. Ouais, c'était génial. Bon, bah, content que ça vous ait plu, hein. Mesdames et messieurs, nous vous informons qu'un feu d'artifice sera tiré dans 10 secondes. Mais je savais pas qu'il y avait un feu d'artifice. Attention, ça va commencer. 5, 4, 3, 2, 1. C'est magnifique! Oui, c'est super beau! C'est trop beau! Oh, bah c'est fini! Bon, bah c'était joli, hein! Oui, super beau! Mesdames et messieurs, maintenant que notre feu d'artifice est terminé, c'est l'heure de la soirée disco. Oh oui, de la disco, mais c'est génial. Oui, c'est trop bien. Oui, comme ça on peut danser. Bon,
Bon, les enfants, est-ce que vous voulez un petit gâteau avant de partir? Oh oui, un gâteau au stand de friandises. Ok, alors on y va. Bonsoir, madame. Bonsoir, messieurs, dames. Que désirez-vous? Pour moi, ce sera une pomme d'amour. Pour moi, un popcorn au chocolat. Pour moi, un popcorn nature. Pour moi, une deuxième pomme d'amour, s'il vous plaît. Pour moi, un popcorn nature. Et pour moi, un popcorn au chocolat. D'accord, cela vous fera 10 euros. Hop, tenez. Hop, super, merci. Hop, donc j'ai un popcorn au chocolat pour toi. Hop, merci. Et pour toi, hop. Merci beaucoup. Ensuite, j'ai une pomme d'amour pour vous. Hop, et pour vous. Hop, super, merci. Hop, et j'ai un popcorn nature pour toi. Merci. Et un popcorn nature pour toi. Merci beaucoup, c'est très bon en plus. Miam, 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 miam. Allez, tout le monde a fini. Bon, eh bien, on va y aller. C'était vraiment une superbe soirée. Il faudra qu'on refasse ça. Oui, c'est vrai que c'était une super soirée. Allez, on y va. Allez, hop, zou, on y va. Tonight I'm gonna party like my name was Cardi.